Maybe stare too much, cause you don't understand. You got me gone. You don't understand. You got me gone. But sometimes I might be a bit selfish when you're way too humble. Might be overzealous, getting you in trouble. Cause I'm a little bit unsteady, even a little bit mad. Might be a disaster, or just the best you've ever had. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une night routine. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche, j'ai choisi un jour où il n'y avait pas forcément d'école pour que ce soit un peu moins speed. Donc là on va aller au parc déjà pour emmener les enfants se défouler bien comme il faut. Et parce qu'il fait hyper beau, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout le monde. Donc pour profiter un petit peu du soleil, on va aller au parc et ensuite on se retrouve à la maison. Think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this. We could have been stardust, same world. But without us, something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. So I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love me, I can wait, I can wait. And remember this. We could have been stardust, same world, but without us, something made us out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. En rentrant du parc, les jumeaux sont allés directement à la douche, donc chacun leur tour. Moi, je suis passée en cuisine pour organiser leur boîte à goûter. Et comme j'ai plus de four, c'est le retour des goûters industriels. Et pour enlever tous les emballages de mon garde-manger, je viens tout mettre dans une boîte qui vient de chez Action. Ensuite, je prépare leur boîte à goûter pour l'école. Donc j'y mets une compote, un gâteau et un jus de fruits. Je ne les laisse au goûter que lorsqu'il commence à faire beau pour qu'ils puissent profiter avec leurs camarades. Et moi, ça me laisse un peu plus de temps en fin de journée.
Et je fais pareil avec le sac de bébé. Donc elle, je lui mets toujours un change au cas où, voilà, s'il y a un petit accident. Et son goûter, mais généralement, elle n'a jamais d'accident. Et ensuite, je viens organiser une autre petite boîte pour les petites collations de la récréation. Où, voilà, leur maîtresse nous dit de leur mettre parfois des petites barres de céréales quand il y a sport ou ce genre de choses, d'activités. Du coup, je mets tout dans une boîte transparente. Avec le restant de biscuits, puisque j'avais plus de place dans l'autre boîte. Ensuite, je viens vérifier les cartables. Donc, des fois, ils me laissent des vêtements dedans. Quand il fait chaud, ils enlèvent leur pull. Ou parfois, quand il y a des choses à signer. Donc, je vérifie tout et je mets leur boîte à goûter dedans. Ici, ma fille a fini de faire sa douche, donc mon fils est parti à son tour. Je laverai bébé en dernier. J'utilise pour démêler ses cheveux mon masque à l'huile d'argan de chez Shogun. Franchement, il est hyper efficace. J'utilise que ça pour mes deux filles. Et il démêle hyper rapidement parce que moi, elles ont beaucoup de nœuds. Leurs cheveux, ils sont ni lisses, ni frisés. Ils sont entre les deux. Mais elles ont tout le temps plein, plein de nœuds. Et vous connaissez, hein, quand vous coiffez des petites filles, aïe, j'ai mal, etc. Avec ça, franchement. J'entends plus rien et je mets une bonne noisette, je laisse agir, c'est sans rinçage. Et le pot, franchement, ça doit faire peut-être 3 mois que je l'ai et il diminue pas rapidement. Bon, je vous reprends dans la salle de bain. Les deux grands viennent de se laver. Donc, j'ai déjà mis ma grande. Enfin, ma grande s'est lavée. Ensuite, mon grand, il se lave tout seul, eux, dans la douche. Comme ça, c'est plus pratique. Et à chaque fois dans la salle de bain, ils mettaient de l'eau de partout. Au moins, ici, il y a une petite paroi là pour fermer. Et là, je vais laver bébé. Moi, vite fait, bien fait, j'ai préparé ses petits soins. J'ai préparé le masque que j'ai utilisé pour ma fille juste avant. Pour les cheveux, il démêle hyper bien et il est à l'huile d'argan. Celui de chez Shogun. Sa petite crème pour le corps également, qui vient de chez Shogun, pour bien l'hydrater en sortant, parce que ma fille, ma dernière, elle a la peau hyper sèche. Elle est un petit peu comme moi, vous me direz. Donc, hydratation au max. Et let's go, c'est parti pour une petite douche, et vraiment rapide, parce que franchement, je sais pas en ce moment ce qu'ils ont les enfants, mais c'est dur. Ils font que de se disputer, ils font que de crier. Enfin, bon, bref. On va patienter. Allez, let's go pour laver ma petite dernière. Ensuite, le repas. Ensuite, je vais les coucher directement. Les affaires du lendemain, ils les préparent eux-mêmes pour les grands et je prépare ceux pour la petite. Et les goûters, les grands aussi préparent tout seuls et je prépare celui de la petite. Donc, on continue. Donc j'ai préparé les affaires de bébé, pyjama, etc. Et je vais utiliser la gamme bébé de chez Shogun puisque nous avons également une gamme pour les bébés. Ici on a le lait de corps qui aux extraits d'avoine il sent super bon, il hydrate bien la peau et il la laisse lisse. Et c'est aussi idéal pour changer les couches, enfin pour le change. On a aussi le savon qui est à l'aloe vera pour les peaux plus délicates, sèches ou irritées. Et dans la gamme, on a aussi le shampoing et le bain moussant et 3 parfums, filles, garçons et bébés. D'ailleurs, pour ce qui concerne Shogun, je vous ai tout mis en barre d'informations pour celles qui seraient intéressées. J'ai d'ailleurs même créé une adresse mail spécifique pour Shogun puisque ça devenait compliqué de gérer sur mon adresse mail pro. N'hésitez pas à aller voir ça en barre d'informations. Une fois le bain terminé, je viens hydrater la peau de bébé. Franchement, je l'aime trop, ce lait corporel. Il est testé dermatologiquement, il est bio, il est sans parabènes, il est sans colorant, sans allergène. Et surtout, l'extrait d'avoine aide à soigner et hydrater les peaux très sèches ou qui sont sensibles aux allergies et aux démangeaisons. Ensuite, on passe à la coiffure. Donc, comme pour ma grande, je vais utiliser le masque à l'argan. Voilà pour les cheveux. Et ensuite, je vais venir les sécher au sèche-cheveux. Parce que j'aime pas trop leur laisser les cheveux mouillés. J'ai toujours peur qu'ils attrapent froid, même s'il fait beau. Pour le repas, ça va être hyper rapide. J'ai sorti des boîtes du meal prep que j'avais fait. Il m'en restait encore. Donc, je vais faire ça pour les enfants. Comme ça, ils vont manger, ils vont vite aller au lit. Parce qu'il est déjà actuellement 20h15. Donc, il est grand temps qu'ils dînent et qu'ils aillent dormir. Demain, il y a l'école. Ici, on en a une riz, poulet, poivron. Ici, on en a une avec de la viande hachée et des pâtes complètes. Et ici, avec du blé et des boulettes. Sing along and
could stop the time. Don't you know that I would, cause I'm... Voilà ce que ça donne pour le repas des enfants. Simple, rapide, efficace. Ça m'a pris 5 minutes vu que tout était déjà prêt. Ensuite, je les sers. Voilà, ils dînent. Ensuite, ils vont directement brosser leurs dents. Et ensuite, ce sera l'heure du coucher. Put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Une fois l'heure du coucher arrivée, généralement j'essaye de lire un livre. Les grands maintenant lisent tout seuls. Généralement j'essaye pour la petite, mais je vais pas vous mentir, ce soir-là j'avais pas du tout ni la force ni le temps. On avait déjà passé assez de temps au parc et là j'avais aussi ma routine du soir qui m'attendait. Donc je vais pas vous dire que je fais l'histoire du soir tous les jours, ce serait vous mentir. J'essaye de le faire au maximum, mais il y a des moments où je peux ne pas le faire pendant un petit temps quand même. Mais en tout cas j'essaye toujours de passer un petit moment câlin avec bébé et avec les autres aussi. D'ailleurs, mais eux, ils sont plus grands, donc ils préfèrent passer un petit temps à lire plutôt qu'à jouer, enfin jouer, plutôt qu'à faire des petites marionnettes et des petites comptines dans le lit. Bon, du coup, j'ai couché les enfants. Là, j'étais en train de... Avant de faire mon petit ménage du soir, on avait trouvé une cagette de fraises à 1 euro chez Lidl. Donc, j'ai fait des jus. Je leur ai donné en goûter comme ça, en dessert. Et il y en a encore trop. Et donc, comme je sais que je vais les perdre, je vais faire des petits sachets pour les mettre au congélateur. Je pourrais les utiliser soit pour faire des glaces, des smoothies, des bols. Enfin, peu importe. Ça se garde très longtemps. Ensuite, je vais lancer une machine et je vais attaquer mon petit ménage, ma petite routine du soir. En sachant que je n'ai pas mangé et que je suis en solo avec les enfants, un racontage de life. mon mari, en rentrant du parc, du coup, il a un ami qui l'a invité au restaurant. Donc là, il est au restaurant avec son ami et il m'a proposé de me ramener à manger. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas mangé avec les enfants. Là, je vais vite faire mon petit ménage. Après, j'aurai un petit peu de montage vidéo à faire, etc. Comme ça, le temps qu'il me ramène... Du coup, j'ai commencé mon ménage par la cuisine puisque c'était le plus gros à faire, mais mon mari est vite arrivé, donc je me suis fait une petite pause pour pouvoir dîner tranquillement et reprendre après. C'est dans la nature, dans la ville. C'est l'araignée. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est des petits trucs, hein. Ouais, mais c'est normal. Il y en a plein, ça va. Hein? Il y en a plein, ça va. Ça, c'est au père, j'ai une truc. Mais ça, c'est quoi? Ah, ça donne bien. Ça. Ouais, c'est une connerie. En gros, il passe ça, il juste de choisir ce que tu veux, tu vois. Il dit, tu prends soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Même là, c'est trop, je trouve. J'ai pris celui-là, entrée. Ça, c'est quoi, ça? C'est des samoussas. Mais ça, c'est... Et ça, c'est ouais, des légumes, trucs aux légumes et tout. C'est pas mal, c'est pas mal. T'as pris dalle de lentilles, hein. J'en ai mangé toute la semaine. Mais c'est bon, ça, les lentilles. En plus, c'est bien chaud et tout, c'est bien, j'ai pas mangé. Bah, merci, c'est gentil. Bah, voilà, bon appétit, du coup. Merci. Du coup, c'était hyper chaud, donc j'ai tout ouvert pour que ça refroidisse le temps de faire mon ménage. Mais je me suis dit que j'allais pas manger de suite, sinon j'aurais pas pu bouger ensuite. Enfin, j'aurais eu le ventre plein et ça aurait été compliqué de terminer toute ma routine du soir. Donc j'ai tout ouvert et j'ai laissé refroidir tranquillement. Ensuite, je suis allée directement attaquer le reste de mon ménage, en commençant par le salon. Il est 20h, donc il fait encore jour, mais il est 20h. Je fais ma petite routine du soir. Donc je vais aller sur le canapé, remettre les oreillers, ramasser tout ce qui traîne par terre, passer un petit coup d'aspirateur, ça va relativement vite. Et ensuite je passe à la cuisine, bon ça prend un peu plus de temps, mais ça va relativement vite quand même parce que je commence à le faire pendant que les enfants mangent. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you, I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more.
Ensuite, je vais poursuivre dans la cuisine. Donc, je suis vraiment, vraiment désolée pour cette vidéo aussi. Je sais que les musiques sont hyper fortes par rapport à ma voix et je sais qu'on va me le dire. Donc, c'est pour ça que je préfère le préciser. J'ai eu énormément de mal avec le montage de cette vidéo et j'ai pas pu faire autrement, malheureusement. Donc, comme elle était filmée, j'ai préféré quand même la poster. Mais je sais très bien que les musiques sont assez fortes. Je ferai attention la prochaine fois, mais ici j'avais pas tellement le choix. Donc je nettoie ma table avec mon produit de multisurface désinfectant de chez Shogun. C'est le deuxième que je prends puisque l'autre était fini. Je fais pareil pour les chaises et je viens allumer mon diffuseur d'huile essentielle avec une petite préparation apaisante. Your hands and your body, it hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Je continue en faisant ma plaque de cuisson avec le même produit, je l'utilise pour tout. Je continue donc dans la continuité de mon plan de travail qui est en L. Je viens remplir ce qui a besoin d'être rempli, notamment ici j'avais besoin de remplir ma boîte à sucre, donc moi j'utilise que du sucre de canne et j'avais aussi besoin de remplir ma boîte à capsules. J'ai pris des capsules de chez Shogun, ici c'est au lait, donc café au lait classique, et à la noisette. Franchement il est trop trop bon celui à la noisette, en plus ça passe bien quand on fait des cafés glacés. Donc je remplis le tout pour avoir tout à disposition au moment où je voudrais l'utiliser. Vous avez des compatibles pour Dolce Gusto et Nespresso si vous êtes intéressé. Et pour finir, je viens de passer l'aspirateur et le Tineco. Une fois que j'en ai terminé, je lance la vaisselle et quand tout est plus ou moins propre, donc vous voyez, ça a été hyper rapide, hein, c'est pas un gros ménage, c'est de l'entretien, je rentre dans la douche directement. Une fois que je finis ma douche, je viens toujours me passer une petite routine sur le visage, petite routine soin, on va dire. Donc je lave mon visage après la douche, oui, avec de l'eau de rose pour enlever le calcaire. Ici, notre région est hyper calcaire. Lorsque j'ai les yeux un petit peu gonflés, notamment ici à cause du pollen, j'utilise de l'eau de bloé. C'est bien pour décongestionner, voilà, pour dégonfler un petit peu les yeux. Et une fois que j'ai terminé tout ceci, je viens mettre directement ma crème sur le visage parce que c'est super important de s'hydrater le visage, surtout avec l'âge. C'est très conseillé d'avoir une crème de jour, voire une crème de nuit. Ici, c'est une crème au collagène et à l'acide hyaluronique que j'utilise et que j'aime beaucoup. Elle hydrate en profondeur, elle tend la peau et elle diminue ou réduit, on va dire, les ridules d'expression. Donc ensuite, je vais masser mon visage et je vais venir mettre mon baume à lèvres. Donc c'est un baume à lèvres que j'utilise depuis des années, je reprends tout le temps le même, il vient de chez Lidl à la banane. Et une petite brume parfumée, pareil de chez Shogun, celle-ci c'est La vie est belle, que j'aime beaucoup et qui est hyper légère, comme ça en sortant de la douche pour aller dans le lit. Et ensuite, je vais dans mon lit, soit je regarde une vidéo YouTube en pliant mon linge, soit, généralement, pratiquement tout le temps, je fais du montage vidéo. Pour m'avancer, pour être à jour, on va dire, je fais un petit peu de montage tous les soirs, ou voilà, comme ça prend énormément de temps, pour pouvoir poster le jeudi et le dimanche. J'en fais un petit peu tous les jours parce que je peux pas non plus y passer des heures. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à vous abonner, à liker comme d'habitude. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !